je m'excuse, monsieur, c'est un peu long pour l'intervention, mais vous inquiétez pas. Hello? Where are you? You're what? Missing it! Get down here right now! What? Where are you? We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now! Okay. Hurry up! Il est derrière vous, comme ça. Je suis derrière vous, n'ayez pas peur. Je vous ai entendu arriver. Ah, j'étais en bas, à faire du papier. Oui, je comprends, il n'y a pas de souci. Bon, bah venez avec moi, on va discuter un petit peu. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Alors, bon, j'ai eu la visite de monsieur Rames Montanagro. Vous irez voir dans les fichiers de plainte, il a déposé une plainte. Il porte plainte contre monsieur Pablo Brom. Pour vous résumer, hier à 19h30, monsieur Pablo Brom demande à voir ramettre Montanagro au garage. Ils se retrouvent tous les deux au garage. Monsieur Brom demande à Rames qu'ils aillent tous les deux vers un parking au niveau de l'aéroport pour parler de quelque chose. Et donc Rames accepte, mais ça lui semblait bizarre. Donc il a envoyé un petit message à son salarié Diamond. En lui signalant qu'il partait vers l'aérodrome avec monsieur Brom, mais qu'il avait un doute s'il pouvait le suivre à distance, ce serait pas mal. Arrivé au parking, monsieur Brom demande à Rames si son entreprise marchait bien, si les affaires tournaient bien, et que son compte était bien garni. Rames répond que son affaire marchait pas trop mal. Et là, monsieur Brom sort son arme et pointe Rames Montanagro et lui demande de l'argent, une bonne rançon. Alors par contre, j'ai pas pensé à demander s'il lui avait demandé un montant ou autre, mais j'ai pas pensé. Je sais pas. Oui, je me souviens de toi, Foxy. Et donc Rames lui dit que non, il a pas d'argent sur lui, qu'il avait que 100 dollars. Et Diamond, quand il a vu que Pablo était en train de pointer l'arme, vers son supérieur, il est vite accouru vers les deux individus et il s'est retrouvé dans la trajectoire du tir de Monsieur Brom, que Monsieur Brom a bien entendu tiré un coup de feu, et Monsieur Salvatore était dans la trajectoire. Donc Monsieur Salvatore a reçu une balle et a passé la nuit à l'hôpital. Et monsieur Brom a pris la fuite ensuite. Bon. Eh ben, il aggrave son cas, hein, monsieur Brom. Un petit peu, oui. Écoutez, vous m'avez dit que ça s'est passé hier à 19h, c'est ça? À 19h30, oui. Bon, on n'est plus en flagrant délit. Donc si vous le voyez, vous ne pouvez plus l'interpeller, mais par contre, vous pouvez largement prendre contact avec lui et lui dire qu'il est convoqué au commissariat pour répondre aux faits. D'accord. Donc une fois qu'il se présente au commissariat, vous lui faites la procédure. Donc il n'est pas en garde à vue parce que c'est un dossier en préliminaire. Donc il n'a pas de garde à vue. Vous lui dites qu'il sera jugé pour les faits qui lui sont relatés. Il est obligé de payer l'amende qui lui sera imposée selon les états des faits. D'accord. Et puis si dans l'alternative il ne veut pas payer, vous ne l'obligez pas, vous faites un rapport que vous retransmettez à son avocat. Vous me faites le même rapport que vous retransmettez directement au procureur de la République. Et vous lui mettez en charge en plus sur son dossier en cours. D'accord, ok. Ça sera fait ce soir ou demain matin, madame la commissaire. Il n'y a pas de souci, ça c'est dans l'alternative où
vous le croisez et Ouais, bien puis sûr. vous lui remettez la convocation, du moins Bien vous le sûr. convoquez au commissariat. Hein. Mais bon, à mon avis, je pense que ça va être compliqué pour la suite. Oui. Mais bon, je me répète, hein. On n'est plus en flagrant délit, donc Oui, tant qu'on n'a pas l'aval du bien sûr. procureur pour le reconduire en 24 heures, pas d'interpellation. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bah, de toute façon, je l'ai recroisé un peu plus tard, là. Justement, j'ai croisé Monsieur Brom. Non, D'accord. c'était la deuxième partie de la soirée. Monsieur Brom est venu me voir et il m'a proposé, on va dire ça comme ça, un accord. Et ça, je sais pourquoi il fait ça, bien entendu, mais. Mais bon, j'ai été assez surpris. Donc, il m'a proposé qu'on travaille plus ou moins avec lui parce qu'il avait des renseignements assez importants. Que lui-même ne se cachait pas qu'il faisait du trafic de stup. Ah ouais. Mais voilà, il me l'a pas caché. Il m'a dit, voilà, je fais du trafic de drogue. Je m'en cache pas, mais par contre, vous pouvez rien me faire, j'en ai pas sur Mais moi. attendez, quand il dit attendez, excusez-moi, sergent chef, mais quand il dit trafic de drogue, c'est pour sa consommation personnelle ou il revend en plus? À mon avis, je pense que c'est plus lourd que ça. Oh putain. C'est beaucoup plus lourd que ça. Ok, allez-y, continuez. Voilà. Et qu'il allait m'envoyer un fichier un peu plus tard dans la soirée, puisqu'il voulait pas me le, il voulait pas me donner ses complices, puisqu'apparemment ils sont plusieurs. Et donc voilà, après il va me reprendre contact, il va me re nous contacter plutôt, excusez-moi, pour la suite de l'affaire. Parce qu'en fait il m'a envoyé en fait une photo de son complice. Et je pense que vous allez être surprise aussi. En fait, Envoyez-moi la photo. on l'envoie tout de suite. Ah, bougez pas, hein. S'il vous plaît. Voilà, je viens de vous l'envoyer comme ça. Ah. C'est vraiment pas la photo que j'attendais. Bah, moi non plus. Et j'ai été très embarrassé. Donc là, à mon avis, on est sur une affaire assez délicate. Pas joli sentiment, hein. Mais ça m'embête un peu du coup. Je Ouais. pensais pas que c'était si profond. Tout à fait. Donc là, je vous avouerai, commissaire, je ne sais plus quoi faire. Bah, du coup, bah, je suis mitigée. Je dois rester. Nous devons rester impartial, Bien sûr. mais et je ne m'attendais vraiment pas que ça soit lui. Ok. Bon, on continue ce qu'on devait faire de base. D'accord. L'affaire à laquelle je vous ai mandaté. Ouais. Continue. Le souci qu'il y a, c'est que n'écrivez rien et vous faites strictement rien concernant les informations que vous ont donné, que vous a donné Monsieur Brume. Bien sûr. Du coup, on met la plainte en attente de Monsieur Rames. On l'a mis un petit peu de côté. On va essayer d'arranger cette histoire-là à l'amiable. Parce que si Monsieur Brume peut nous donner plus d'informations, ça nous arrangerait grandement. Oui, tout à fait. Ok. Bon. Que là, à mon avis, si on résume un petit peu, en tout et pour tout. Ah, pardon, je vais mourir de soif. Allez-y, vite. Ah, je me disais, j'ai mon cœur qui battait un petit peu vite là. Du coup, j'allais faire un malaise. Alors. Ah non, mais j'étais tellement concentré sur l'affaire et voilà, j'ai pas. C'est mon cœur, il s'est emballé et voilà, c'est. Et l'adrénaline en fait. Oui, je me doute.
Oui, donc du coup, si on résume bien, maintenant nous avons trois personnes. Si vous soupçonnez un petit peu la première personne. Oui, on a trois personnes. Super. Bon, c'était pas spécialement prévu, c'est plus gros que ce que je ne pensais. Vous mettez les renseignements de Monsieur Brume avec les renseignements qu'on a déjà de Monsieur Impel. Ouais. Et puis on va monter le dossier comme il doit être remonté. Hein. Du coup, je vous fais un deuxième rapport d'enquête, comme j'ai fait la première, enfin, le premier. Ouais, affirmatif. Hein. D'accord. Bon, et bah, il Oui, faut. vous montez votre petit dossier. Tout ce que vous avez comme info, vous mettez tout dans vos dossiers. Vous me transmettez en copie, mais vous gardez toujours une copie avec vous de votre enquête. Hein. Toujours, toujours. Et une fois que j'aurai contact avec monsieur le procureur, une fois qu'il sera revenu des vacances dans les Maldives, je lui transmettrai directement le dossier et on verra ce qu'il peut faire. D'accord. Ok. Bon, je tombe un peu des nues là quand même. Je m'y attendais pas. bah, moi non plus, pas du tout. Bon, mais du coup, faut pas que notre comportement il change. Non, 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 mais bien sûr, je vais continuer à faire comme ça a toujours été d'ailleurs. Et puis, Ouais, bah. ouais, ouais. Bon, on fait comme ça. Du coup, par rapport à ce que vous avez montré dans le premier rapport, vous voulez que je fasse des petits heures de permanence, enfin, pas des permanences, mais des petites heures de surveillance, voir qui passe ou pas, à prendre des photos. Bien sûr, sans intervention, bien entendu. De toute façon, tout est bon à prendre hein, en ce qui concerne cette affaire. C'est vrai qu'on en a beaucoup en cours, donc c'est un peu embêtant. Mais et en soi, vous prenez vraiment de dissimuler le plus possible. Bien Et sûr. puis, vous me prenez le plus de photos que vous pouvez prendre pour augmenter les preuves sur le dossier en question. D'accord. Et ben on va faire ça. Ok, très bien. J'aurais mouvementé. Oui, tout à fait. Bon. Mais du coup, je vais en profiter pour me mettre en administratif. Hein. D'accord. Pour le coup, vu que Los Santos a l'air d'être bien rempli ce soir. Bah, patrouillez, vous cassez pas la tête avec les rapports ce soir. Vous ferez tranquillement demain. Oui. Et je veux vous voir plus sur le terrain ce soir. D'accord, pas de souci. Et puis nous avons eu des nouveaux venus D'accord. sur Los Santos. Hein. Les frontières ont été ouvertes et un nouvel avion s'est déposé ce. Il y a quelques heures de cela sur l'aéroport de Los Santos. Si vous venez à contrôler un de ces nouveaux venus, soyez indulgent avec eux pendant quelques jours. Bien Bon, sûr, il bien n'y a pas de sûr, souci. si c'est du délit négatif, hein. Oui, bien sûr, Il vous n'y a pas de inquiétez pas. pitié, c'est un délit, hein. Mais si c'est contraventionnel, soyez un petit peu plus soft. D'accord, pas de souci, commissaire. Bon, très bien. Bon, vous pouvez disposer, sergent-chef. Ça marche, merci, commissaire. Je vous en prie. Un Golf 3 de TK. J'écoute. Ouais, le véhicule blanc décapotable noir Toujours? sur le parking police, c'est à vous? Entends? Quittez pas, Allô? monsieur, bougez pas, j'ai un appel radio. Oui, c'est à monsieur Vas-y. Pablo Brum, je viens de la contrôler. Avant de repartir, je vais appeler les Montanago. On va le laisser, je m'en occupe. D'accord, ça marche. Monsieur. Monsieur, excusez-moi, j'ai eu un appel central. Dites-moi tout. Il n'y a pas de souci. Ben, comme vous pouvez le voir derrière, le camion en sortant du garage va décider de monter lui-même sur le toit, puis redescendre, puis ne plus fonctionner.
Ah, alors attendez. Je pense qu'il est un peu possédé, il faudra appeler un exorciste. Oula, oui, allez, c'est ça va loin là. Ok. La magie Et noire, tout ça. du coup, vous pouvez pas du tout en prendre un autre là. J'ose pas essayer en fait. Peur que. Voilà. Allez-y, faites-le, je suis là. Allez-y. Attention à vous. Ouais. Bon bah voilà. Ça sort un peu spécial quand même, hein, c'est. Ouais, bah je ferai remonter l'information au gouvernement. Je préviendrai que les Bah, je compte camions. le faire aussi, ça tombe bien. Bah, comme vous voulez, soit je le fais, soit vous le faites. Non, là, vous inquiétez pas. J'ai une liaison directe avec le gouvernement, donc vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Ah, l'avantage de l'uniforme. On va dire qu'on a le bras un petit peu plus long. Voilà. Bon, bah, je vous remercie et Je vous en bon, prie. bah, espérons que ça recommence pas. D'accord, non. Par contre, bon, je vois que vous êtes nouveau. Vous êtes monsieur comment? Comment? C'est comment votre nom, monsieur? Tony Zanotti. Monsieur Zanotti, d'accord. Donc, je vois C'est que ça. vous êtes nouveau. Donc, je vous souhaite la bienvenue à Los Santos. Merci. Surtout, n'hésitez pas. Vous avez une application sur votre téléphone, la touche F5. Avec votre téléphone, vous pouvez appeler un taxi, dépanneur, médecin, la police, tout ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas, D'accord. si vous avez quoi que ce soit, voilà. S'il y a du personnel dans Très bien. chaque métier, vous allez avoir un message comme quoi l'appel a bien été pris en compte, à chaque fois. Et voilà. D'accord. Bon, Mais bon, bah, n'hésitez pas, j'hésiterai pas. si vous avez besoin. Juste, je voulais vous demander, je sais pas si vous allez pouvoir me renseigner, Bien sûr. les tempêtes, la fréquence des tempêtes dans cette ville, c'est où ça va à peu près? Je vais. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est très rare en fait. Il y en a vraiment une fois tous les 15 jours, on va dire. Ah, tous les 15. Ah, bah, ça va. Oui, non, non, vous inquiétez pas. Et puis en général, quand il y a une tempête, la météo nous l'informe. Il y a Ah, bon, bah, un très petit bien. rappel. Ouais, voilà, vous inquiétez pas. Très bien, donc c'est pas fréquent alors. Bon, non, non, voilà, il y a pas de souci là-dessus. Dès qu'il y a une tempête qui en approche, la météo nous prévient. Dans nos applications, attention, tempête en arrivant, c'est voilà, vous avez tant de temps pour aller vous mettre à l'abri. Très bien. Bon, bah, d'accord. Donc voilà. Bon, on va faire ça. Bon, bah, je vous remercie et Bah, je vous en prie. bon, bah, on va essayer d'aller travailler un petit peu. Ok, ça marche. Et surtout, faites bien attention à votre niveau de D'essence. déshydratation et de Ah votre oui, faim. oui, Voilà. oui, tout à l'heure, en arrivant, ne savant pas où étaient mes poches, enfin, où étaient mes poches, et surtout n'ayant rien sur moi, je suis un peu tombé en déshydratation. Ok. Ouais, Donc l'hôpital, je l'ai vite connu. voilà, comme ça, vous avez. Voilà. Bon, au moins, vous connaissez le point le plus important de Los Santos. Voilà, c'est vrai que ça descend vite, hein, Ah, bah, ça va. Dès qu'on bouge, mais ça descend. faut faire attention. Voilà. Bah, plus vous courez, plus vous consommez. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, d'accord. Bon, on Voilà. va marcher alors. On va Ouais. plutôt marcher. On va même ramper. Ouais. C'est ça. Ça marche. Et bah, je vous souhaite bon Allez, courage bonne alors. journée à Ça vous marche, et merci à vous aussi, bah, monsieur merci Zanetti. vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. TK pour Golf 3. Transmettez. Attaque à main armée vers le l'usine de cuivre.
J'ai été agressé par une personne. C'est bien pris, je... Personne est au sol. Je suis à côté de la supérette habituelle. Il y a beaucoup de renforts qui arrivent, hein. Je vais être très très mal, TK. J'arrive. À l'approche de l'épicerie, votre position. Derrière vous. Je suis derrière vous, TK, je suis derrière vous. Faites tourner à gauche. Je suis dans la rue. Négatif, je vous vois pas. Ah, je vous vois devant vous, je vous vois là. J'étais devant vous là. Vous voyez pas. Là à votre gauche, avancez. Et là, je suis accroupi devant la voiture rouge. Là, tout le monde, ça fait comme bien là. Oh. Là, je suis là. Juste ici. J'ai abattu peut-être une dizaine d'individus là. Je sais pas ce qui s'est passé là. On va peut-être mener l'enquête. Ça m'a paru bizarre d'ailleurs. Moi j'y vais par bas qui a pris cher là. Donc ça s'est calmé. Bon. Ça va à peu près Ouais, ça va. Votre état de santé ? Ouais, ça va. J'ai pris une balle dans l'avant-bras, mais ça va aller. L'individu là, ici là, cette personne là m'a doublé, comme vous pouvez voir. Il s'est mis juste devant moi, il m'a coupé la route. D'accord. Et il m'a fait un doigt d'honneur, descendu du véhicule et puis bah il m'a pointé son arme. Ok, bon, super. Comme si on avait besoin de ça. Ouais. Bon bah écoutez, mettez-vous en retrait, appelez la dépanneuse, on va gérer le tunnel, et puis on va voir déjà dans un premier temps ce qu'on pourra faire ensuite. D'accord, ça marche. J'aimerais bien connaître la personne. Ça me paraît bizarre. Qui au sol, vous avez essayé de faire un massage cardiaque ? Négatif, mais je peux essayer si vous voulez. Négatif, commissaire. Bon, il est Delta Charlie Delta là. Ouais. Décidément, on peut vraiment pas contrôler Los Santos en toute sécurité. Hein. Ouais. T'es bon, parti. Je vais essayer d'ouvrir la circulation. Je vais déplacer le véhicule. Ça marche. L'appel a bien été pris pour les dépanneurs. C'est bien. Allez-y, circulez. Eh ben. Ah, Golf 3, restez sur le trottoir. Mon véhicule. On va se calmer, monsieur. Et ça sert à rien de fuir. Ah, ça va être la panique. On va pas y arriver. Ouais, c'est reparti pour un tour.
Monsieur, on se calme. Monsieur, on se calme, c'est pas la peine de s'énerver. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, 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 où est-ce que vous êtes? On arrête, top, monsieur, top, top. Oh, c'est reparti. Je suis à vous, commissaire. Individu parti sur votre droite, commissaire, sur votre droite. À gauche, c'est sur votre gauche. Individu à terre. Ouais, je parle à la voix haute, mais vous m'entendez peut-être pas. Du renfort qui arrive à l'arrière. Je répète, il y a du monde qui arrive derrière nous. La situation revenue, personne à terre. Vous revoyez du monde? Oui, oui. Enfin, de mon côté, c'est bon, tout le monde est à terre. Ouais, pour l'instant, tout le monde est à terre de mon côté. Moi aussi. J'ai pris l'arme l'autre parce que là ça m'est un peu. Ouais, affirmatif, moi aussi. De mon côté, c'est redevenu à la normale. Hein. Négatif, sergent, vous prenez pas la peine. Il attendra. Oh, je suis. Attention à vous derrière vous, ok. Attention à vous. Attention à vous, attention. Allez, circulez, circulez, circulez. Allez, 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 allez. Circulez, je vous dis. On va essayer de vous mettre en sécurité. Essayez de réparer dans un premier temps le véhicule de police. Par contre, je pense que vous devez avoir un souci vocal parce que je ne vous entends pas du tout. Allez, circulez, allez. Passez la marche arrière ou repartez la première et vous dégagez. Allez, 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 allez. On circule, je j'ai dit. Je vous entends pas du tout. On circule, ah, j'ai dit. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Monsieur, on circule. PNJ sont complètement pareil. Je répète, les PNJ sont complètement pareil. Restez bien derrière les véhicules. D'accord, je vais appeler quand même du renfort parce que là c'est vraiment la merde. Ouais, oui, c'est le bazar. Le véhicule de police, on va devoir le réparer au plus vite. Hein. Et c'est la priorité pour l'instant. Attention à vous, commissaire. Et lui, il écoute pas. Tout à l'heure, il écoute pas du tout. Attendez, Damon, attendez. Puis là. Vous reprenez pas une deuxième balle, Damon. Ouais, je vous ai perdu, commissaire, je me suis inquiété, je pensais que vous étiez touché. Non, ça va, merci. De votre côté, ça va? Oui, c'est... pas de soucis, commissaire. Ouais. Faites attention, hein, venez sur le trottoir, parce que là, ils sont complètement fous. Et dès qu'ils voient des cas là, ils paniquent. Attention à vous, là, dame. Excusez-moi, j'ai un petit problème, faut que je revienne. Hop là. Amateur, je répète, amateur. J'ai plus accès à mes outils, je reviens. Restez derrière le véhicule, Damon, attendez. Amateur. Reçu. Mais c'est quoi cette soirée dedans? Le pire PNJ du monde, c'est attention pire. À vous. Aïe, 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 aïe. Allez, circulez là, circulez, allez, 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 allez. Circulez, circulez. Il va falloir faire au plus vite. Hein.
Bougez pas. Ça tombe tout seul, cette merde. C'est dommage, ça marche, oui. C'est de la Kaamelott, c'est de la Kaamelott, c'est de la voiture italienne, c'est de la merde. Ah oui, bah oui, je comprends mieux. Oula, oula, attention. Attention, Diamond. Oh. On va peut-être dégager la voie je du milieu, non? Je pense que c'est nos... C'est nos armes lourdes qui leur font peur, je pense. Okay. Ouais. Ouais, je prends quand même mon taser au cas où. Alors Diamond, ça va aller ou... Attention à vous, restez pas sur la route. Bonsoir, excusez-moi. Désolé. Oui, j'ai eu un petit problème technique. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y aurait moyen qu'on m'emmène au garage pour que je puisse prendre mes outils? Ouais, c'est bien pris. Sergent chef, vous oui. allez... Je vais monsieur, monsieur Damon... directement à son garage. Merci beaucoup. Mettez les codes. Reçu comme ça. Allez-y, je vous emmène. Merci. Bah dis-nous, c'est la folie pour tout le monde ce soir. Ouais, ça m'a l'air bien compliqué là. Ouais. Y a qui là-bas là? Ah oui. Ouais, c'est bon, je crois que Diamond il a réussi à charger. Du ouais, coup, ça on a l'air d'être. Ouais, d'être on revient. Il y a combien de véhicules à embarquer là? 2, 3. Je sais pas, mais ça va encore 4, faire 5, une facture salée, votre truc, 6, sergent 7. Chef. Eh, mais ma, eh, ma, comme ça, je n'ai j'y suis absolument pour rien du tout là. Ouais. Bien sûr. La GoPro est je activée. Je connais maintenant agent, je sais que vous titillez un petit peu. Ah non, du tout, vous verrez, je vous enverrai la vidéo de ma GoPro. Je n'ai absolument pas du tout cherché à les... Allez, comment dire hein, allez, les chatouiller, comme vous dites. Non, non, mais je vous crois, sergent chef. J'ai un doute. Par contre, j'ai vraiment. Il y a toujours l'ambulance en plein milieu du confort. Ouais, je vais aller le pousser. Effectivement, italienne. Ah oui, je le confirme, hein. C'est du vrai caca. Oh, pardon, mais. Ouais. Moi j'ai l'impression que quand il y a trop de boulot, ils perdent un petit peu le. Ils perdent un petit peu de pied hein, quand même. Hein. Bah ils sont vite débordés. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Bon bah ça leur fait un petit parcours de d'obstacles aux automobilistes avec tous les corps qui sont par terre. Ils vont faire de l'avion à chien ou quoi hein. Oh, dis donc. Ça fait peur, dis donc, monsieur Damon. Un peu de tenue, monsieur Damon. Ah, ouais, désolé. Un peu de tenue. Non, mais je n'y attendais pas. Changer de lunettes, je pense. Ah, y a Sergio qui est là. C'est parfait. Ok. Ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est vous ouvrir la dépanneuse, monsieur Damon. Comment? On va vous ouvrir la dépanneuse si vous arrivez plus à l'ouvrir. Ah si, non, mais la dépanneuse bleue, elle marche plus en fait, elle est plus en état. Faut la réparer. D'accord. Je vais prendre, Sergio va la réparer et moi je vais prendre la mienne qui est là-bas. Ah c'est bien reçu. Avant de faire des dépannages sur d'autres véhicules, hormis votre véhicule de société, le véhicule de police c'est vraiment un souci, donc... Les deux. Hein. Comment? J'ai pas entendu, désolé. Les deux véhicules de police, faut les réparer au plus vite. Parce que si on doit partir sur une intervention, ils doivent être opérationnels. D'accord, y a pas de soucis. Attention à vous, Sergio. Allez-y, 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 allez-y.
Bon, je retourne au garage, allez. Bonsoir, monsieur McAdams, bonsoir, ma commissaire. Bonjour, Sergio. Bonsoir à vous. Bon, est-ce possible de vous occuper directement de nos véhicules de patrouille? Ils sont fortement Ouais. endommagés. D'accord, pas de problème. Je vais prendre la caisse à outils de suite et je vais m'occuper de ça. Donc celui-là qui est sur Ok, très bien. le trottoir, c'est ça, et bon, on va prendre celui-là au milieu de la route, en premier. Tout à fait, c'est ça. S'il vous plaît, Sergio. Attention à vous, Sergio. Restez pas trop loin de la route, là. Ils sont un peu, ouais, ils sont un peu fous ici. Hop, hop, J'attendais hop. que On s'arrête, on la s'arrête. madame me freine. Impeccable. Passez derrière le véhicule. Passez derrière le véhicule, là. Vous avez de la place, là. C'est pas un camion qu'on conduisait, là. C'est une voiture. En plus, ça doit être une italienne aussi comme voiture. Pas la peine de vous agacer, hein. Mais passez derrière le véhicule! C'est pas un camion que vous conduisez là! Ouais, bon, bah. Vous m'avez l'air bien têtu, mais bah restez là. Je crois que c'est l'embrayage qui est mort. Ça va peut-être libérer un petit peu la circulation. Allez, 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 on circule. Allez, on circule. Allez, allez. Voilà. Je m'excuse, monsieur, c'est un peu Oh, long pour l'intervention, pardon. mais vous inquiétez pas. Ah, mais c'est pas possible, c'est quoi ce bazar là? Madame la commissaire? Oh non, c'est pas possible. Madame la commissaire? Est-ce que vous me rendez? Madame la commissaire? Très, 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 très légèrement. Madame la commissaire, vous m'entendez? Je vais appeler un médecin pour vous. Hein. Ouais, je suis pas bien du tout. Et ne quittez pas. Hein. Bougez pas, madame la commissaire, j'appelle un médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma lampe de poche là, je sais pas. Rouleau pour mon bras, je sais pas, j'ai eu un spam, je sais pas ce qui s'est passé là. Madame la commissaire, vous m'entendez toujours? Il n'y a pas de médecin. Vous avez appelé les pompiers? Ouais, j'ai appelé, mais ils répondent pas. Bon, je vais procéder autrement. On va essayer quelque chose. Bah écoute. Ah, ça va mieux là, Ouf, madame la commissaire? c'est. J'ai un peu C'est la bien. piqûre, je vais aller m'asseoir. Ah, vous avez perdu Allez. un peu de sang, asseyez-vous un petit peu là-bas, sur le trottoir, Venez, je vous madame. accompagne, Je sais commissaire. pas ce qui s'est passé, mais. Non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un gros éléphant. Vous vous rappelez pas ce qui s'est passé? Pas du tout, j'ai vu un éléphant Pas du arriver tout. droit dans ma tête. D'accord. Bah, c'est un véhicule, il vous a percuté. Ah oui, je sais pas, bizarre, je me rappelle pas d'un véhicule moi. Ah bon? Bah, il y a un véhicule qui est passé à ras de vous derrière là et ça vous a assommé comme ça. Oh, on va laisser sous le bénéfice du doute du Voilà. véhicule qui m'a percuté avant. Voilà, tout à fait comme ça. Bon, bougez pas de là, hein, je vais continuer à les aider. Bougez pas, Ouais, hein. je vais reprendre un petit peu mes esprits et puis dès que je me sens d'attaque, je reviens. Ok, ça marche. Vous voulez une bouteille d'eau ou ça va aller? Non, ça va, Ça va aller? j'ai ce qu'il faut, merci. Ok, ça marche. Oui, merci. Et voilà, monsieur McAdams. C'est bon, Sergio. Ok, moi, je vais la pousser tout de suite pour Oh, débarrasser un peu c'est... la circulation. Attendez, bougez pas. Vous laissez déplacer vos véhicules. Allez-y, monsieur. Hop, hop. Ah, mais ils sont incroyables, les gens. Allez, 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 on circule, allez, 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 dépêchez-vous là. Il y a eu assez de dégâts comme ça là, allez, on circule, allez, allez, allez. Allez, monsieur, on y va là, allez, on circule, dépêchez-vous. Allez, on circule là. Quand même incroyable.
Ça va mieux hein, comme ça. Bah dis donc, oui, ça va mieux, mais... ouf, c'est un gros coup sur la tête quand même, hein. Bah ouais, mais c'était un grand véhicule quand même. C'était un genre de monospace, je sais pas quoi. Je pense que peut-être les rétros en hauteur, ça vous a peut-être touché à la tête. C'est possible, j'étais en train de m'accroupir à moitié pour parler au monsieur qui était dans le véhicule, peut-être que c'était ça. Hein. De Peut-être. toute façon, ça peut pas être autre chose, sergent-chef. Non, non, comme ça. D'accord, ok. Bon, on va reprendre les esprits, c'est bon, je suis bien réveillé. Allez, on fait attention à l'avis du garagiste. D'accord, ça marche. Ah, c'est peut-être ce véhicule-là hein, qui l'a touché. Peut-être. Bon, je vais être honnête avec vous, madame la commissaire. C'est moi qui. C'est avec la lampe de poche, là, je sais pas, Je quand vais je l'ai juste pris. attendre. Oui, à Sergio. On réglera ça au commissariat. Et comme ça. Oui, monsieur Montanagro. Je vais attendre que mon employé revienne avec mon frère pour récupérer le camion. D'accord, très bien. Pourquoi vous ne pouvez pas rentrer dans votre véhicule? Bah, je. Si, si, mais moi j'ai déjà mon camion qui est juste derrière avec la voiture chargée dessus. D'accord. Donc c'est pour ça, Et et le mon véhicule frère qui est en face? c'est Que celui-là de mon le frère, camion il peut va venir ouvrir. le chercher. Justement, il va revenir avec l'employé. Il arrive, il me dit à la radio. D'accord. Encore une Le bonne carnage soirée. ici. Ah ouais. Et de pire en pire dans ce quartier-là. Ah ouais, non mais là, c'est vraiment un gros problème. Je sais pas, mais moi je suis pas rassurée du tout, hein. Je vais coller contre le mur parce que je le sens mal. La Allez-y, sortie de allez-y. route là, elle va être violente. Je me dis que ça sent pas bon du tout. Vous m'inquiétez là, commissaire. Ah mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis à l'abri de rien là. Hein. Ça va pas, madame la commissaire? Si, 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 mais le quartier Ah. devient de plus en plus compliqué, donc il faut Ah, vraiment ici, faire oui, attention. ça devient. Ce que j'entends de plus en plus, c'est que ça devient de plus en plus chaud. Là, je Ah, comprends mon pas. frère, il va Arrivé, je récupérer le pense. camion, ouais. Bon, je vais enlever mon camion du trottoir d'ailleurs. Ça Ouais, c'est marche. bien fait. Il nous fait de la chiparmentier de personnes décédées sur la voie publique. Oh, ça doit pas être mauvais, je pense. Si vous voulez un kebab, c'est le moment. Non, merci, je suis pas trop fan, comme ça. Là, c'est pas un kebab roulé sous les aisselles, mais là. Il y a un truc là, c'est pas possible. Les véhicules bleus là. Lequel? Attention à vous, comme ça. Vous m'inquiétez là, là-bas, là, à droite? Ouais. Je veux pas dire, mais je crois qu'il nous a fait un doigt. Mais je suis pas sûre. J'ai pas vu. Bon, je vais laisser sous le bénéfice du doute, mais j'étais pratiquement persuadée qu'il nous a fait un doigt. J'ai plus de gilet pare-balles, on fera peut-être pas que ça part en cacahuète comme ça. On va se calmer, on va se calmer. De toute façon, on va faire un retour au commissariat après. Ouais, parce qu'il faut que je reprenne des balles là. Et comme ça met pas mal de balles là. Oh mon Dieu, mais c'est une charpie qu'ils nous font. Attention à vous, il y a un homme qui court dans votre direction. Ah ouais, je le vois dans le coin de l'œil. Et bon. Ah bah Ouais, il serait donc temps. non, non, pourtant je crois qu'il est. Il est bien en service, mais il répond pas. Ah bah oui, c'est bien le temps de lui faire un diagnostic et lui, il est mort depuis une demi-heure. Putain, mais c'est de pire en pire les médecins dans Los Santos. Hein. Ouais, c'est tranquille, hein. Ça va, tranquille. Ah bah oui. Ah, il se rend Ah bah compte y qu'il a oublié retourne. sa pièce d'identité. Ah mais oui, c'est Ouf. Raymond. Ah mais Raymond, il est pas très actif, vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, il faut un demi-tour.
What? C'est le bazar. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur? Y a un problème là? Ouais. Et vous acculé. Le laissez comme ça en plein milieu de. Ah oh, bah d'accord. Hey, Raymond? Non, non, mais apparemment il y va, il fait un premier diagnostic, il se barre, il se dit bah merde, j'ai oublié la pièce d'identité. Donc du coup il y retourne, il y fait 2-3 palpations, et puis il repart. Bon bah il le laisse en plein milieu du trottoir. Hein. Ouais. On va parler. Compliqué les médecins quand même. Hein. Un petit peu. Et la voiture bleue peut être là-bas là. Ouais. Elle est partie à gauche là-bas là en face. Juste en face de moi là. Ouais non, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, j'en parlerai à monsieur le duc s'il connaît bien Raymond. Bonjour. Prêt pour déposer mon argent, s'il vous plaît. Ok. Tout ça sur le livret A, si possible. Comme d'habitude, j'ai mes petits papiers. Oui, vous me connaissez. Ouais, ça marche. Bon, allez. Bonne journée. Et vous passerez le bonjour à Patricia. Merci, au revoir. Patricia, ça m'intéresse. Oui, oh, vous savez, elle est... physiquement, elle n'est pas agréable. Ah, ah bon, non, bon, merci. Et cap de Golf 3? Transmettez. Je repars en patrouille. Ouais, c'est bien pris. Ah, attendez, il y a monsieur Bromka, je reviens au commissaire. Ok. Ah ouais, tiens, Macadam. Ouais, j'allais, je Ouais, je viens pour signer le truc, allez, le registre avec allez. Un petit peu de retard, excusez-moi. Ouais, y'a pas de mal. Excusez-moi, allez-y. Merci. Alors, mettez-vous devant le comptoir. Je vais prendre le registre. Merci. Hop, alors, voilà. Nous sommes donc le 24 juillet 2017. Il est 22h36. Passage de Monsieur Rome. Voilà, vous pouvez signer là ici s'il vous plaît. Ok. Voilà, c'est bon. C'est fait. Eh bien, et bah c'est parfait. Parfait. Très bien. Du coup, j'attendais ce moment pour. Voilà, je vous enverrai la deuxième preuve d'ici quelques minutes. Okay. D'accord. Ok, ça marche. Pas de soucis. Voilà. Bon, là, c'est une preuve que j'ai longuement hésité à vous donner. Car cela m'inculpe que moi-même, mais. Après tout. Je ne vois pas pourquoi elle non plus ne serait pas prise. Bon, très bien, du coup, je vais sortir d'ici et voilà, je vous enverrai la photo d'ici quelques minutes, ok? D'accord, ça marche. Pas de souci, monsieur Brom. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur Brom. Et là, tiens, pas en place. Quand est-ce qu'on va avoir des bonnes chaises? Des vraies chaises italiennes. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. J'écoute. Ouais, c'était quoi l'histoire avec monsieur Brum? En fait, il passait. Bon, il avait une demi-heure de retard, mais il passait pour sa signature de 24 heures. Ok. Ok, d'accord. Et il doit me transmettre pardon, dans la minute qui suit des infos supplémentaires. Bon, c'est bien pris. Vous prenez tout en note comme d'habitude. Et moi, je vais profiter de ce temps pour me reposer un peu. D'accord. Pas de soucis, TK. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Et puis je vous revois demain, sergent. Ça marche, pas de soucis, commissaire. Reposez-vous bien, bonne nuit à vous et à demain, alors. Oui. Et nuit très mouvementée, dis donc.
Et je crois que ce n'est que le début. Ouais, je pense aussi. Allez, bonne soirée à vous. Merci, Tommy. Ouais, quoi? Voilà, pour acheter la boîte. Ah, ça va pas? Ah oui. Voilà, monsieur Brom, on conduit sans feu allumé. Ah, je vous entends pas, monsieur Brom. Je vois vos visages bouger, mais je vous entends pas parler. Non, c'est le moteur. J'ai pas entendu, monsieur Brom. Ah, allô? Ouais, là j'entends. Vous m'entendez? Ah, ouais, je vous entends, Monsieur? ouais. Vous m'entendez ou vous m'entendez Oui. pas? Ah. Ok. Donc, j'ai amené mon véhicule chez les Montanaro et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un petit boost au niveau du moteur. Donc, je sais pas, mais vous voulez pas qu'on se mette sur le côté parce que je pense qu'on gêne un petit peu la Ouais, circulation. allez-y. Ouais, donc vous disiez, vous êtes passé au garage Montenegro et votre voiture a été boostée, ou je sais pas quoi, c'est ça? Moi, j'ai l'impression, hein, là, l'accélération est un petit peu violente. D'accord. Ok. Par contre, pensez à allumer vos feux, monsieur Brom, quand même. Oui, c'est vrai que. Ouais. C'est vrai que oui. Ah, d'accord. Je vais rien vous dire pour ce soir. Je ferme les yeux et par contre, alors je sais pas trop quelle heure, mais demain je vous contacterai pour que vous passiez au commissariat et on parlera. Ok, Ok? bah si vous voulez, là j'ai du temps. Ouais, mais là je peux pas, là je dois Je partir en sais. intervention. Je dois y aller là. Ok, Ok? c'est pas grave. Non, non, mais Très vous bien. inquiétez pas, on aura le temps. D'accord. Ok? Ça marche. Très bien, très bien. Ok, bon, allez, je vous laisse repartir tranquille, monsieur Brom. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur McAdams. Bonjour, Diamond, comment allez-vous? Très bien, vous. Ouais, ça va, merci. Bon, j'ai appris l'histoire là pour hier. Ah oui, ah oui, je vois. Ouais. Comment va votre santé? Ça va, je me suis pris une balle dans l'épaule. J'ai encore des pansements, le médecin, je viens à peine de voir le médecin, il m'a passé des anti-inflammatoires, il m'a changé le pansement et tout. Mais donc, ouais, ça va, franchement ça va. D'accord. Ça peut aller. Et le médecin, il va vous faire un rapport pour l'enquête? Oui, je pense. D'accord. Enfin, je ne Apparemment, je sais l'ai pas vu. du tout en fait. Normalement, il doit vous faire Ah un oui, rapport. bah, à Ouais. mon avis. Ok. Oui, bah, je vais expliquer ce qui s'était passé. Du coup, à mon avis, il va faire un rapport. Donc, c'est bon, j'ai vu le médecin. Parfait. Ok, ça marche. Je viens vous embêter. J'ai mon véhicule qui est un petit peu endommagé. Si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Je vous le rentre ou vous le rentrez ou comme vous voulez. Ouais, je veux le rentrer. Ok, C'est bon, ça y est allez-y. là. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Voilà, monsieur McAdams, c'est tout neuf. Merci. Ok, super, merci Diamond. De rien, faites attention sur la route, hein. Comment? Faites attention sur la route. Ouais, on va essayer. Bah, à chaque intervention, dès que je mets les gyros, les civils, ils paniquent et voilà, et ça ne marche Ah, pas. c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est clair. Je vois, je vois. Ok, ça marche. Merci Diamond. De rien, y a pas de soucis. Si vous avez besoin Et de quoi bonne que ce soirée et soit, attention à vous. repassez.
Ouais, y a pas de souci, pas de souci. Oui, vous inquiétez pas. Merci Ça vous marche. aussi. Bon Merci. courage. Merci, à bientôt, ciao. À bientôt, ciao. Oui, docteur. Bonjour, sergent. Oh, bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai pas votre numéro de téléphone. 555 12 20. Ok. Et je voulais savoir. J'ai fait, comment dire, une. J'ai Venez, venez au examiné comico là, on est en train de se monsieur. faire tremper. Venez avec moi, on est en train de se faire tremper là. On va se mettre à Ok. l'abri là. Oh, quel temps de chien, quel temps de chien. C'est sûr, c'est sûr. Donc je Ouais. disais, j'ai examiné monsieur Salvatore. D'accord. J'ai examiné monsieur Salvatore et les Montanagro m'ont dit que je devais vous envoyer une petite note. Donc, je vous enverrai une petite note pour. Et vous l'avez fait la note ou pas? Non, toujours pas, pas encore. Enfin, non, bah Je viens vous juste de le faire, prenez je viens votre juste de temps. l'examiner. Vous la faites pour demain, ça ira. Vous avez le temps demain dans la journée? Vous avez dit? Demain dans la journée, vous avez le temps de le faire? Oui. Ouais, c'est Oui, il n'y a bon. pas de problème. Ouais, non, vous inquiétez pas, Oui. monsieur. Faites ça pour demain, il Parce n'y a pas que de. je sais que vous avez une enquête en cours sur ça, en fait. C'est Oui, pour ça. voilà, c'est ça tout à fait, mais ne vous inquiétez pas, vous savez, les enquêtes, c'est pas parce que c'est vite fait que ce sera bien fait, donc on préfère prendre notre temps, recueillir toutes les informations qu'on a besoin, toutes les preuves, toutes les pièces justificatives, et après, voilà, on lancera la procédure, mais voilà, vous inquiétez pas, si vous mettez 2-3 jours pour faire le compte rendu, c'est pas grave, au moins je sais que ça sera bien fait, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Pas de souci, Doc. Et Vous vous êtes avez tout seul là? là ce soir, ouais, je suis tout seul là. Mais mes collègues ils prennent des congés à rallonge là en ce moment. Ok, d'accord. Et vous êtes tout seul aussi là en ce moment? Bah ouais, bah, je suis le seul médecin, donc oui, je suis. Bon, faut que je retourne patrouiller. Vous avez besoin d'autre chose ou pas, docteur? Non, 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 ce sera Non? tout. C'est tout ce que Ok. je voulais vous dire. D'accord, ça marche. Bon, puis si vous avez quoi que ce soit, un petit souci ou autre, n'hésitez pas à me rappeler, d'accord. Vous m'appelez directement par message et puis D'accord, c'est il n'y a bon. pas de souci. Ok, ça marche, doc. Alors, Bon, passez bah, bon courage, alors, peut-être faites à de tout à l'heure. bonnes rondes. Ouais, merci. Vous Ouais, aussi, faites à soignez tout à bien l'heure. les gens. Merci. Ça marche. À plus tard. À plus tard, doc. Ouais, on décollage, je décolle là.
gone.